Bonjour, les élèves de l'école Sainte-Marie de Derval ont la fraîche attitude. Ils l'ont prouvé en participant à l'opération du même nom. Leur mission, éplucher et couper poire, pomme, kiwi, nectarine, melon, banane et fraises et concocter une salade de fruits frais, salade de fruits géante pour les 200 élèves de l'école. Mission accomplie. Alors c'est sur une semaine, ça a tout le temps lieu la première semaine de juin. Alors pour toute la population, hein, toutes les Françaises, ça se passe en règle générale sur 150 villes en France. Donc ça peut être différentes animations qui sont là pour promouvoir la consommation des fruits et légumes. Le but, c'est de faire une grande salade de fruits pour tous les élèves de l'école. Donc les grands fassent bénéficier de leur travail auprès des petits. Donc aussi bien du maternel jusqu'au CM2, tout le monde va manger de la salade de fruits au goûter collectif ce matin. Aujourd'hui, on a fait des petites billes de melon. Alors on a coupé les bananes, pareil, en petites billes, en petites rondelles. Leur faire découvrir qu'on peut couper les fruits et légumes de différentes manières, qu'une poire n'est pas obligée de se manger en entière, qu'elle peut se couper en petits morceaux et puis se mélanger à d'autres fruits. Qu'ils sachent après redire à leurs parents, aujourd'hui j'ai fait une salade de fruits, c'était sympa, je veux la refaire à la maison. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à ton père, tu plais à ta mère. Salade de fruits, jolie, jolie. Il y avait une première animation au cours de la semaine du goût sur l'alimentation et donc on a donné suite favorablement, avec grand plaisir, pour cette matinée. 200 élèves là, de l'établissement ont pu profiter de ce goûter fruitier ce matin. Et au total en France, ce sont 25 000 actions réparties dans 150 villes qui ont été menées durant cette semaine de la fraîche attitude qui se déroule du 3 au 12 juin.